Paix et grâce de Dieu soit avec vous tous, chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre l'émission noire qui c'est Bible en main. Nous faisons chaque samedi 9h PM. Vous connaissez déjà, moi c'est Maïso, David Desrosiers. Et ensemble avec moi, animateur ou bien co-animateur, c'est Pasteur Labode, Samuel Labode. Pasteur Sam, ensemble avec tout l'autre monde qui déjà monté, Télé l'Église a salué nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous saluons Maestro David, saluons tous nos amis qui suivent ensemble avec nous. À ce soir, nous avons un privilège d'être ensemble avec nos pasteurs Gilles que nous n'avons pas depuis très longtemps. Et nous disons bienvenue à ce soir. Et c'est avec plaisir que nous allons passer la parole. Amen, 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 amen. Nous saluons nos frères et sœurs, nous saluons les pasteurs qui sont avec nous et qui ont des amis tout qui ont longtemps pas attendu, on pas ouais, mais nous attendons de voir ce ça nous a pile plaisir. Nous saluons Maestro de Osier tout qui est le trait d'union qui a relié plusieurs mondes ensemble et nous saluons tous les téléspectateurs qui suivent nous à soir. C'est donc avec plaisir nous sur podium ça pour nous parler d'un sujet qui est très populaire et c'est sûr que ce n'est pas pour la première fois que vous entendez ça mais non seulement t'as éveillé mémoire mon capitaine de sur sujet ça comment vaincre le monde et la chair c'est ça sujet nous y pour Atsoya comment vaincre le monde et la chair premièrement, d'aimer expliquer pourquoi on tel sujet. Et en pile fois, nos frères et sœurs ont chanté, chant ça que nous jouons dans au cœur des chants d'espérance. Christ est vainc diable, le monde, la chair. Qu'on y a non plus que vainqueur. Ils ont chanté, lié au connaît que son chant qui théologiquement bien, parce qu'effectivement, dans plusieurs passages, Christ identifiait le diable, le monde, la chair, comme des ennemis. Il n'est pas seulement météo dans mais il cite au séparément. Maintenant, s'il était vaincu, et que nous autres, comme chrétiens, nous gagnons pour nous faire une prudence. Prudence pour qui ça? Nous pas qu'à maintenant tête nous nous a lutté contre un seul ennemi nous un seul adversaire qui est le diable et puis nous négliger le monde et la chair parfois dans quelques pratiques côté on considérer la chair comme le diable on considérer le monde comme le diable et mais nous remarquer dans chant habitué chanter a yo mettez au séparément Christ est vainc diable, le monde, la chair. Donc, à toi, assemblée, dit à tout le monde que ça nous voulait exposer pour téléspectateurs, c'est que nous connaissons un peu le monde qui gagne une prédisposition pour goumer contre le diable. Mais tandis que yo très négligent par rapport à la chair, yo très négligent par rapport au monde. Et comme si vous sentiez que le monde a une emprise sur le monde. Le monde a une emprise même sur certaines églises. Et que parfois tout, la chair gagne emprise sur quelques serviteurs et sur l'église. Mais comme si c'est pas trop grave, et pas trop grave, au point que nous débouchons sur une sorte de théologie mixée. Côté que nous capables, nous chrétiens, mais nous ka fait ça tout, côté bon mixage, une sorte de merging, de melting pot qui fait entre le monde, entre la chair et puis entre l'évangile. Et objectif pas m'assoyer, c'est pas montrer me radical, mais c'est plutôt montrer que la Bible y a assez de provisions fait pour nous. Pour que nous goumions contre le monde et puis pour nous vaincre le monde. La Bible a une provision qui montre que nous devons lutter contre la chair et pour nous vaincre la chair. Probablement, c'est un sujet qui est capable, pas fin épuisé à soi, mais m'a fait le mieux de moi-même pour que au moins nous aboutissions à comment vaincre le monde et peut-être si bon Dieu pour retourner
si Jésus vous retourne et que là-bas nous une deuxième occasion, nous allons terminer avec comment vaincre la chair. Non, le monde est notre ennemi. Premier, ça pour un chrétien maintenant en tête li, et non, comment vaincre le monde, il a toujours dit, soit lutter contre un adversaire, première démarche, c'est pour identifier adversaire ça. Qui ça? Qui est-ce qui est adversaire là? Si vous pas capable d'identifier adversaire là, la force difficile pour lutter contre. Bon me dire rapidement peut-être un peu le monde capitaine de là qu'on est que le monde il répété plusieurs fois dans la Bible et mais pas toutes les fois aussi signifie même bagaille et sous regarder par exemple où est lorsque Christ dit dans Jean 3:16 qui est le verset le plus connu de toute la Bible car Dieu a tant aimé le monde. Et on est capable d'utiliser verset ça pour le dire que mais si bon Dieu aimait le monde pour que ça dans l'autre texte il dit nous faudra aimer le monde mais tout simplement pas parler le même monde alors que nous connaît que mon monde là il y a plusieurs significations bon côté où est le monde c'est le monde cosmique c'est le monde qui nous entoure la mer les montagnes et etc la terre mais qu'on s'attoure nous donc côté où est le monde. C'est l'ensemble des individus vivant sur la planète Terre. Pour dire que quand Dieu a tant aimé le monde, c'est pour Dieu aimer tout le monde. Maintenant, qu'on s'attoure, il y a deux versets où rencontrer mon monde dans le passé infini, le monde cosmique, le passé infini, l'ensemble des individus sur la Terre, lui plutôt signifie un système qui a fonctionné à l'encontre de la volonté de Dieu. On dit qu'un système qui a fonctionné à l'encontre de la volonté de Dieu et nous allons de quoi que le constitue. Donc, d'abord, il faut identifier le monde ça, c'est un système qui fonctionne à l'encontre de la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu mandez-nous pour nous considérer comme ennemi. La parole de Dieu montre-nous que nous lui raillons. Et à tout ce qu'il y a dedans. Donc, premier, ça a besoin d'identifier, je le dis, c'est identifier mon nom. Mon nom qui s'allie, son système qui a fonctionné à l'encontre de la volonté de Dieu. Pas un monde qui pourrait aimer le monde, pourrait aimer bon Dieu. Donc, nous sommes capables de ça. Et ça fait un premier texte que nous avons mis, ouais, son texte encore qui est bien connu. C'est dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 et 16. Les versets 15 et 16. Le 2:17 là tout même dans mais que nous ouais c'est ça avec moi à souhait. 1 Jean 2 verset 15 et 16 qui ça le dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça c'est le verset 15. Le verset 15 est clair là-dessus. Le monde et le Père, ils sont pas capables cohabiter ou pas carrément tous les deux. Ou pas capable attaché à tous les deux. Et c'est une là côté la Bible employée la négation la plus forte pour nous n'aimer point le monde. Et il paraît de là. Il dit les choses qui sont dans le monde. Et puis il dit si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc le monde est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Il est notre ennemi. Et non seulement ça, n'importe monde qui remet le monde ou pas aimer mon Dieu. Ou pas carrément mon Dieu pour aimer le monde. Ça, c'est un bagage. Nous-mêmes avons, nous devons pas remplir l'importance. Pour qui ça? C'est parce que l'éclair, puisque ça qu'aime nous, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est lui-même qui est un trésor, la caille. Donc, nous qui aimons mon Dieu, elle n'est pas capable de aimer le monde. Bon. Maintenant, puisque mon Dieu m'a dit nous pour nous haïr le monde, ça montrait que nous pas capable nier nous un combat avec le monde son combat lié les gars Pierre mon dit Christ est vaincu déjà moi même ma game bataille et pas ça la parole de Dieu enseigné nous fait pour nous spirituellement assez fort pour nous gagner potentialité pour nous capable parler même le monde m'a cour dit tout mon capitaine de là. Verset ça qui dans 1 Jean 2 verset 15 qui m'a dit nous pour nous pas aimer le monde c'est pas
action qu'on capable faire avec tête ou pour qu'on tout sans la présence du Saint-Esprit. Le monde est attrayant, le monde est attirant, le monde est envahissant. Donc, si on n'est pas équipé avec cet esprit pour qu'on en fasse, c'est l'offre qui remène, l'offre qui engloutit la donne, l'offre qui la donne. Maintenant, si bon de nous raillit, c'est pour, ah, mon chef, comment pour me raillir le monde? Comment pour ne pas faire bon ménage avec le monde? Comment pour me capable distinguer de le monde et du monde? Et comment pour me capable gagner bataille ça contre le monde? Maintenant, puisque c'est ça la Bible a recommandé pour nous parler mal, c'est sûr. Et puis il dit, ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, s'il n'y a pas de verset 16 là, en pile, le monde a dit, bon, les choses, il a dit, les choses qui sont dans le monde, version anglaise un peu apaisée, mais version française a dit, les choses qui sont dans le monde, en pile, le monde a considéré, c'est wash, c'est pied-bois, etc., c'est objet. Mais heureusement, li défini pour nous dans le verset 16. Non, toujours dans le même chapitre là, 1 Jean 2, le verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, suive bien, malgré verset 15, c'est 10 choses, mais le parle de qui choisit, car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Donc, où est trois sales cités là, yo? Ou elle pas cité en rien comme chose inerte qui gagne le monde. Mais élément ça yo, c'est yo même qui constitue le monde et qui fort vin fonctionner contre Dieu. Donc, pour gagner bataille contre le monde, ou besoin, faites attention avec trois éléments que le cité là yo. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc c'est ça yo qui dans le monde, c'est yo même la attention. Et dans le fin verset 16 là, il dit pareil ça yo pas venu du père. Ou capable remarquer tout même qui gagne Bible français lui second, ou capable remarquer l'elfine cité trois éléments ça yo. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et puis il dit, ne vient point, ne vient point. Donc ici, c'est comme si son association, au lieu de dire ne vient point du Père, il dit ne vient point, c'est pas un erreur, c'est pas une faute liée. C'est tout simplement, trois, ça a constitué ça que le système mondial qui parvient de Dieu. Qui parvient de Dieu. Donc, nous faisons trois éléments là. Premièrement, il faut identifier l'ennemi. Qui ça aide bien son système joue que moi qui t'ai conduit par lui m'a pas faire volonté bon Dieu parce que son système qui fonctionnait contraire à volonté bon Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu m'a dit pour pas aimer le monde. Ça c'est une obligation, c'est pas un fait facultatif côté que m'a décidé ou bien dépendamment de vision de perception. Non, qui que vous soyez, quel que soit côté, n'importe mon côté, quel que soit l'âge, ça c'est un ordre, nous pas rien doit aimer le monde. Maintenant, qui ça le monde là, Bible a dit mais ça constitue lui. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Bagay ça yo pas vienne de Dieu. Maintenant, si nous identifier ennemi, hein, nous compte qui ça la donné. Maintenant, comment lutter contre ces éléments? Comment capable résister contre? Ça c'est l'ordre que mon Dieu bail. Ça est l'ordre que mon Dieu bail. Et avant même que nous parlons comment ou de lutter contre Dieu, Bible a fait fort qu'on est que position doit gagner par rapport avec le monde ou pas de remer. Mais où doit qu'on est tout? Le monde par le monde non plus. C'est ça qui prend le métro en position pour qu'on ait où doit combattre le monde. Mais ça, et la parole de Dieu fait nous connaître. Selon texte que nous jouons dans plusieurs passages, bien sûr, mais nous avons d'abord dans Jean chapitre 7, le verset 7.
nous pas prendre pile texte mais nous obligé citer de ça yo dans Jean 7 verset 7 la parole de Dieu dit le monde ne peut vous haïr moi il me hait il n'a pas là un groupe monde qui part mais et puis il dit que parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises parce que mon témoignage contre le monde raïm, c'est ça Jésus dit. Jésus dit le monde raïm lui-même. Le monde raïm Christ, selon témoignage que Christ fait dans Jean 7, verset 7. Et dans Jean 15, verset 18, la parole dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça, son deuxième phrase. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ce qui veut dire, le monde haït Christ. Le monde haït mon cap suivre Christ. Et s'il haït mon cap suivre Christ, qu'on est que le haït Christ en vain. Autrement dit, bien mon qui sont adversaires pour vous, ou du moins, ou ka considéré au monde comme ennemi, ou dans monde n'a pas considéré comme ennemi. Si c'est ou considéré monde comme ennemi, capable la plus léger. Mais lorsque monde considéré comme ennemi, ça veut dire que ou pas ka jouer avec ça. Ou fait pour prendre garde. Le monde pas aimé, c'est ça la Bible dit. Le monde vous hait. Et s'il raïe, c'est parce qu'il te raïe Christ avant. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu monde pour raïe le monde, il fait fort qu'on est que le monde, ça nous raïe, il raïe avant. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Le monde raïe, et si le monde raïe, la parole de Dieu monde pour raïe le monde back. Et Christ pral dit pour qui ça le monde raïe. Pour pas penser son bagage qui jouette. Ça que fait le gars là, et pas parce que tu fais action. Non. On garde sa Bible a dit, selon toujours Jean 15, verset 19. Dans Jean 15, verset 19, la parole de Dieu dit, si vous étiez du monde, maintenant, la parole des mondes qui est converti, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Soutenez dans le monde a vraiment. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ici, la parole de Dieu bail clairement pour quelle raison le monde raït chrétien. C'est parce que chrétien n'est pas appartenir au monde, non. Parce que chrétien choisi par Dieu. Parce que mon Dieu choisit où, le monde raïe où. Et que ici, c'est la parole de Jésus. Puis, mon pas gagné droit mépriser une telle parole si vous observez, mon Dieu, que vous connaissez que le monde raïe où. Et que Christ m'a dit, même ça vous fait raïe le monde à toute sa gladonne. Donc, vous voulez ça clair avant de rentrer dans la troisième phase là. Première phase, il faut identifier l'ennemi. L'ennemi qui est lié, c'est le monde, un système qui fonctionne à l'encontre de la volonté de Dieu, ou pas qu'à faire tous les deux plaisirs. Deuxième élément, maintenant, de quoi l'ennemi ça a constitué, nous fait différence, ce n'est pas l'autre monde, mais c'est un monde qui est là-dedans, selon 1 Jean 2, verset 16, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça, ça yo partage yo y a pas agi contre y a fonctionné contre une fois que ou la roue là dedans et y a passé par des monde par la petite des stratégies pour convaincre et pour réduire à néant et ensuite nous faisons voir que les bon Dieu mande pour yo pas parce que seulement c'est au pral yo par yo non yo raille ou système monde là. Le monde
yo rayi ou parce que ou pas du monde. L'or pas du monde, le monde rayi ou. Là, il fait partie non seulement du système, non, mais tout le monde qui est imbriqué dans le système, non, c'est par yo même système d'a fonctionné. Côté que moun participer dans le système là tout parce que tout le monde cap vini cap élément porteur de 300 sous dit d'ailleurs que son moun que son supérieur hiérarchique ou que son ami une fois que la vini avec la convoitise des yeux la convoitise de la chair l'orgueil de la vie Bible a mando attention parce que ça c'est âme ennemie. Donc là li clair pour tout le monde nous gon ennemi déclaré un ennemi qui pas jouer un ennemi qui gagne comme objectif pour détruire parce que le pas aimer c'est pas une haine provisoire ni temporaire il pas pour son bagage côté que li raille aujourd'hui elle capable non parce que cause qui fait le raille là selon ça la parole de Dieu dit nous son cause qui la d'éternité et ça ne ouais quand par exemple non Éphésiens chapitre 1 verset 4 la parole de Dieu dit en lui Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc bon Dieu élu nous Bible anglais a dit God chose us before the foundation of the world. Bon Dieu choisit nous avant la fondation du monde. Donc, à cause de choix ça, bon Dieu fait le nous, hein, le monde raï nous. Maintenant, s'il est clair pour tout le monde que le monde raï nous, parce que le raï Christ, et que Christ a retourné nous-mêmes pour nous raï le monde, et tout ça que la donne, et le fin, il dit nous, ça que la donne, mais comment manifester? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Moi-même, avec vous, nous pas qu'à jouer. Bon. Maintenant, on a fait un petit détail qui fait un pile discussion de nos jours. Les trois éléments constitutifs du monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Moi-même, avec vous, nous, capables clairement, entendons-nous sur des notions. La convoitise des yeux, c'est exactement ça qui a miroité devant nous, qui attire nous et qui fait que nous t'avons bah, les valeurs que nous n'avons pas supposé gagner. Et la convoitise des yeux, c'est ça qui n'est pas seulement chita dans le rapport fille à garçon. Li la donne tout, mais c'est tout ça qui t'a voulu gagner un impact sur ou côté que li t'a voulu prendre place dans ou à partir de son ou et que li prend trop place dans ou. Ça veut dire. Nous connaissons depuis de la convoitise des yeux, puis nous pensons que c'est fille qui attire garçon qui attire fille, mais pas ça seulement. La convoitise des yeux, c'est tout ça qui t'a voulu faut à réfléchir de manière contraire à la parole de Dieu. Parce que dans le cas de Ève, la convoitise des yeux, c'est avec lui Satan te paraître. En plus, le monde a songé. Donc, la convoitise des yeux, laisse ça pas seulement faire fille à garçon, parce que Ève, t'es toujours considéré que fruit ça a, il est défendu. Mais la parole de Dieu dit non, lorsque Satan fait une balle à Ève, Ève, ouais, fruit a. Agréable à la vue. Maintenant, moi-même avec la convoitise des yeux, faut nous gagner assez de provision spirituelle dans nous. Pour que ça pas bon pour nous connaître pas bon. Même si ennemi en fait la miroiter devant nous, même si tout monde t'a bat bravo pour lui, même si on t'a mette tapis rouge, même si on t'a ouais télévision fait promotion pour lui, nous dit pas bon parce que la parole ne dit pas bon. La convoitise des yeux, c'est danger ça qui pour faire nous est bon, ça pas bon. La convoitise des yeux, c'est ça qui a tiré nous côté que ni t'avait nous faire une perception moderne des choses. Alors que
nous pas qu'à une vision spirituelle ensemble avec yon convoitise qui va tirer nous vers ça où est le monde. Donc la convoitise des yeux en pile fois nous disons négliger parce que nous chacun a des aspirations en tant que monde qui vit, en tant que être humain qui est appelé à progresser et en tant que monde qui visait des choses dans la vie. C'est normal pour qu'il y ait des visions, pour qu'il y ait des rêves. Maintenant, la convoitise des yeux, il faut demander que pour nous toujours analyser ça que nous avons valeur. Est-ce que, par contraire, à foi chrétienne, moi, ça me baille valeur, ça me bon, ça, est-ce que, yo, par contraire, à la parole de Dieu. Si qu'on pas tester foi ou pas mettre ça ou gain valeur pour en face la parole. Vous connaissez sous domaine sous pas domaine ou qu'a facilement tomber dans tentation. Bah moi dis encore. Ça devant moi qui m'apprécie à que moi elle paraît belle, moi elle bienveillant, faut moi mettre en face à la parole de Dieu. S'il compatible à la parole de Dieu, pas de problème gars aller là-dedans. Mais si la parole de Dieu interdit moi quel que soit, quelque belle que le capable, quelque attirant, même si m'dawel très populaire, moins fait pour m'abstenir de lui parce que lui fait partie des âmes ennemies. Deuxièmement, mes frères, deuxièmement, nous connaissons peut-être une question après sur ça. Deuxièmement, la convoitise de la chair, nous connaissons pile nos autres, nous gagnons version sur ça même, alors qu'on est strict à soi. La convoitise de la chair, sous bien gardé, yo marché parce que le Père. La convoitise des yeux et la convoitise de la chair, yo c'est deux bons compères. Maintenant, une fois que Dieu ouais que bagala li belle, kounia li pral faire concevoir en l'autre façon. Jean Dieu moi là a fait effet sous moi. Et que ça effet tout moyen, c'est lui-même qui va révéler la convoitise de la chair. Ça, ça veut dire. Dieu me tombe sur une fille, et peut-être qui nu ou bien qui mal habillée, et que ou elle la c'est yon, et fait sous moi, c'est deux. C'est pas tout le monde qui nu, que ou moun ou elle qui fait même effet à sous lui. Des moun qui ka ouè moun sa, qui intéresse garder jusqu'à ce que le manque fasse accident. Bon, l'autre monde, quoi, pour le monde, ça dit, monsieur, regardez comment vous êtes humain, machin, dans la rue. Au lieu de t'a perdu, n'en garder, lui reprocher, mon ça, du fait que t'a manqué pudeur, etc. Donc, ça, c'est impact effet sur vous. Pour nous retourner, prendre exemple, Eve là encore. Et me dit, pas pour toi, mais toujours, dans Genèse, la Bible a dit, donc, que lorsque, Eve fin dit li wè Bible a dit non Eve wè abla agréable à la vue mais qu'on sa tout li wè bon à manger ce qui veut dire bon à manger a li plus profond agréable à la vue c'est yon bon à manger c'est qui impact li fait sur li agréable à la vue bon à manger ce qui veut dire nan moment ça li vin senti en dedans sous elle pour manger c'est seulement action pour faire mais li gétan absorbé déjà Eve perd du bataille au niveau de mental li parce que li wèl agréable à la vue et li wèl bon à manger donc moi m'avoir si t'a fait application pour l'instant Bible a dit donc trois ça yo la le monde vient à convoitise des yeux vient à convoitise de la chair ça nous wè premièrement qui sont elles, deuxièmement, qui impact les faisceaux. Je me sentis que je dit tout le monde, capitaine de Mlayo, nos frères, nos compagnons d'œuvre, nos compagnons de ministère. Ça, très sérieux. Il très sérieux. Parce que, en tant que serviteur de Dieu, il y a un caractère que nous devons gagner, il y a une éthique que nous devons garder, et il y a une façon pour nous projeter nous dans la communauté côté nous. Maintenant, nous avons un monde qui change, nous reconnaître que nous, l'Église qu'on y a obligé dynamique parce que nous avons un monde technologique qui a avancé et tout fidèle nous exposé à toute nouvelle
phase technologique qui est dans le monde. Non? Mais nous autres, comment rester fidèles, rester attachés à la parole pour ne pas perdre une vague de ça qu'on fait? Oui, il y a un pile de bagaille qui fait, qui est belle, qui est bon, mais pas tout ça qui est belle, qui est bon, qui est bon. En deuxième, il y a tout ça qui est belle, qui est bon. Et bien, monsieur, qu'on dit, il y a un bon goût, il paraît belle, mais il pas bon. Gon serviteur te dit, mais en pile fois, longtemps, dès qu'on boit bagaille sucrée, en pile, le sucré, il y a un bon goût, mais tandis qu'il n'est pas bon. Puisque pas bon pour santé. Maintenant, nous devons comprendre que il y a des bagailles qui paraît belles, il y a des bagailles qui paraît attrayant, mais au fond pas bon. Pour combat ça contre la chair. La chair c'est tendance ça qu'a faut agir contre le Saint-Esprit. La chair ça c'est pas seulement la chair qui pour attirer aux soufis, mais tout ça qui fait quitter espace côté le Saint-Esprit qui va attirer, il faut pas l'agir par la chair. Côté que mon vous fait là, soit vin apprécier, soit vin dire, soit vin embrasser, le contraire à la volonté de Dieu. C'est exactement ça. Et là, pour nous comprendre, nous faisons comment vaincre le monde. Parce que là, le monde vient sur vous, il vient avec une attirance, pour le cas, parce que il voulait que convertisse des yeux à faire. Deuxièmement, l'a tellement répété, l'a tellement fait mon remède, l'a tellement fait télévision, fait tout sur ce média, a fait éloge pour le faire impact sur vous, pour que le gagne bataille à tout au niveau de la convertisse de la chair. Parce que ça, yo, tout pas qu'il me ferme là-dedans, yo, en pile chrétien, en pile serviteur de Dieu, en pile prédicateur, en pile monde qui est très utile dans le monde évangélique, ou capable facilement de réduire à votre plus simple expression, au point qu'on ne peut pas quimber devant ennemi, parce que le monde vit, comment on va envahir, convoitise des yeux, convoitise de la chair. Je ne vais pas prendre des exemples pour ne pas tomber dans une liste exorbitante, et puis pour ne pas faire des gens tout et réduire, ça m'a dit là, à des éléments, peut-être qu'il y a quelques questions à venir, mais moi-même, avocat, donc, aujourd'hui, à la forme que l'Église besoin plus prudent. L'Église besoin plus prudent. Parce que, actuellement, là, le monde vient très agressif. Très, très agressif, au point que des évangéliques, pour être capables de complaire dans le grand monde, puisque il y a des prises de position, si on peut être capable déboucher sur une réduction d'effectifs, côté que vous avez perdu quelque chose dans l'église là, côté que vous êtes obligé d'adapter à un système, côté que qui n'est pas mené l'église là trop bien. Ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Et surtout, actuellement, le monde vient gagner une stratégie au point que, au lieu de nous faire un péristyle, ils font l'église. Et puis, tout on a regardé les gens, ça fait dans oh, l'église a belle, l'église a. Mais tandis que tout ça fait, l'église, là, c'est des bagages, tout à l'heure, mettez en face la parole de Dieu, n'est pas compatible. Maintenant, comment vaincre ces choses? Comment vaincre le monde? Moi-même, avec nous, nous avons une boussole qui est la parole de Dieu. Un pile bel bagage vini, un pile bel bagage apprécié, mais nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Ni dans la vision, nous, ni dans la perception, nous, dans ça que nous attachons avec eux, et ça n'a pas demandé le peuple à pour nous faire. Donc, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, nous considérons les mensonges comme des délégués de l'ennemi, et comme si au lieu où on bête à corne, on paraît devant, il nous est déjà oublié, mais tandis que, de vous perdre du bataille là, au niveau de la convoitise des yeux, ou perd du bataille dans la convoitise de la chair, ou pas camper devant diable. Parce que, ou négliger le monde, mon cher frappé par le diable. Troisième élément, c'est que ça lié, c'est l'orgueil de la vie. Encore là, objectivement, ça n'est pas défini, mais l'orgueil de la vie, c'est lorsque l'offre consommée du premier, yo, convoitise des yeux, convoitise de la chair, ou une tarée, mais
complaire dans le grand monde, ou t'as aimé mettre à la mode, ou t'as aimé. Mais pas contre au monde qui obtient, pas contre au monde qui voulait et conformer à des éléments qui sont capables d'aider au royaume bon Dieu à avancer. Mais nous devons être très prudents pour ne pas embarrasser nous avec des choses qui sont contraires à la parole de Dieu ou à la volonté de Dieu. Donc, actuellement, là, frère, actuellement, nous captons de nous là, pendant que vous luttez ou dites pas de diable sur vous, mais il faut veiller pour que le monde ne même pas envahi. Comment envahi? Et pas parce que vous parlez dans le discours. Non. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Ça, yo, est-ce que ça, Bible a dit, qui pas bon, yo, est-ce que bon bagay qui va le faire au bon jour? Non. Si la Bible dit pas bon, il aurait été pas bon. Si la Bible dit non, il aurait été non. Dernier élément que n'a point sous ça, maintenant sous l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, pour le faire, Eve vient en vie, même Jacques bon Dieu. C'est ça que l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, mes frères et sœurs, lorsque Satan dit, Eve, bon Dieu connaît que je peux manger, ou vient même Javel, je vais l'ouvrir. C'est problème ça. La consommation de l'arbre, il vient pas être comme moyen pour venir même Jacques Dieu. Moi-même, avec, comme serviteur de Dieu, comme chrétien, les nous reconnaître qui valeur nous gagnons sur la terre, comme un bon Dieu garde nous, comme des mondes qui, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des adorateurs de Dieu, des mondes qui gagnent DNA de Dieu dans nous, Christ vit en nous, nous sommes en Christ et il est en nous. Lorsqu'on s'avlait dit véritablement, on va avoir que l'orgueil qui peut monter tête ou encore. Donc, l'orgueil de la vie, il est capable de mettre une booste comme si, mettons, une dimension côté que, on t'avait fonctionner, et c'est ça qui passe en pile grand homme de Dieu, en pile monde qui vient vedette, en pile monde qui vient très populaire, en pile monde qui vient en pile influence dans le monde. Là. Et puis, mon cher, il faut être très, très prudent pour que vous ne tombiez pas dans un mélange entre le monde et l'évangile. Maintenant, chrétien, hein, le serviteur de Dieu, pendant que bon Dieu a monté avec vous, on grandit socialement, on grandit intellectuellement, on grandit économiquement, vous êtes très prudent avec ce grand monde qui a attiré vous pour être vous-même, vous êtes attaché à la parole. Tout ça, bon Dieu, je dis pas bon, il n'était pas bon. Bon Dieu dit pas bon, encore une fois, par exemple, mais il dit pas bon, il n'était pas bon, et que ni ça dans yeux faut pas bon dans perception dans j'ai pas arrivé sur ça que n'a pas attiré il y a des chants habitués chanter qui dit ça le monde croit est capable prendre dans plaisir dit même plutôt suivre Jésus etc. Chant ça son chant qui est dé en pile et puis bon l'autre chant qui dit prends mon là à tout plaisir yo prends mon là bon Christ c'est là moi même envers le monde entouré, nous besoin tout ça, le monde besoin. Nous besoin caille, nous besoin belle, nous besoin à bien présenté dans la société. Ya, nous. Mais tout ça, on a fait, on a prêté connecté à la parole pour que yon la d'ailleurs pas détourné Christ dans le cœur. Nous, parce que nous sommes des serviteurs et des servants de Dieu. Bon, malheureusement, le temps bon, moyen est fini là. Dit pour moi mais soit barrette ça veut dire parler avec moi mais dernier encore une fois que tout monde qui la reconnaît ou pas capable de dire ou gomme contre diable si ou pas bail diable influence ou pas bail ou pas quitter côté pour diable et faire exercice ou bien capable de trop bien faire en tant que chrétien et puis pour le monde pas de rien faut veiller ça sinon on dit nous capable pour la mais merci en pile. Pour attention, je suis certain qu'il y a des interventions que vous pouvez faire, il y a des serviteurs qui sont sur panel là, ils sont capables de faire des interventions, capables d'éclaircir et quelque chose que je me dis, et je suis bien content.
Merci beaucoup, Pasteur Gilles. Oh, c'est, ouais, tout le monde est content, ouais. Oh. Tout le monde est bien au Oh. commencement, je t'ai suivi, je t'ai observé. Pasteur Gilles, c'est un présentateur original, yo. Depuis que tu as commencé. Mais nous, quelques temps, nous pas de gagner. C'est un plaisir pour nous gagner au Pasteur Gilles. Semble dépouer le cinquième samedi du mois arrivé. Ma plongeant pour me checker quand même, parce que la prêté pour. Définitivement, et n'a pas dit tout le monde, ou n'a pas ce côté pour nous aller dans la question, parce que c'est comme ça. Et nous fonctionner après exposer, et puis qu'on y a là, nous faisons une sorte de petit débat, ou bien, en façon une complétée, réponse l'autre, en façon pour nous capables d'avancer, puis devant avec étude là. Et nous connaissons le principe là déjà. C'est on est retiré sous mute, retiré sous silence, et puis vous parlez, on dit allô, de vous dire allô seulement, micro a presque été en vous. Okay? Sous qui est dans ces principes-là, ça, sous télélectricité.com, où tout connaissez, tendez seulement qu'attendez, ou pas qu'à parler pour nous tendez. Okay? Ou après, on est que prend le link là, sous website là, on est mettez-le dans tête, computer en ligne net, dans adresse bar là, et pour peser inter, ou tomber directement dans audience côté, tout le monde capable de parler ensemble avant. So, Pasteur Gilles, nous venons de faire ça, nous sommes en principe, par exemple, pas une question, c'est aussi, nous remarquons que le débat nous est encore toujours plus choqué avant, et ça, c'est un plaisir parce que nous avons plus de monde en principe qui entrait, qui a étudié, ou bien plus de théologie, ou bien plus de docteur entrer là-dedans, et en pile monde tout, en tout cas, connaît ça tout, et en pile monde préfère être dans téléguise.com, son paquet, mais un peu vin là, c'est ça. De vous venir là, dans l'esprit, c'est que vous venez pour partager, brasser l'idée ensemble avec nous. Parce que j'étais, alors, qui me rappeler le sujet encore, c'est comment vaincre le monde et la chair. Et c'est pasteur Fritzner, Gilles de Miami, encore nous dit. Parce que j'étais content, t'as l'air, alors, tu dis, et pour vaincre l'ennemi, il faut qu'on a identifié, il faut qu'on connaisse. Et souvent, qu'on est c'est la même situation parce que ou pas qu'à combattre ou pas qu'à combattre avec le monde ou pas qu'on et vous avez même fait différence entre le diable le monde la chair et vous avez fait embrasser tout à fait général question dans ta vie sous tentation par exemple on dit comme ça ou d'arriver devant une tentation par exemple pour bagarre ou à agir mal est-ce que c'est facile qu'on y a pour identifier trois éléments, ça on me dit, et le diable, le monde, la chair. Est-ce que une façon pour m'identifier sous cela même, ok, ça, mal, ça, ou bien tentation, ça, il vient de Satan, ça vient du monde, et ça vient de la chair, ou bien est-ce que c'est même bagaille? Bon, comment on peut répondre à la question, ça? D'abord, on dit que, comme on habitué dit sous chaîne, ça déjà, la tentation en elle-même n'est pas un péché, ou qu'a toujours tenté. Et par rapport à l'exemple, ça me prend là tout à l'heure. Lorsque le serpent dit à Ève, fruit à bon, fruit à ceci, bon Dieu connaît le jour manger. Mais si Ève t'est toujours qu'aimé, même perception de le abla, il va t'empêcher. Ce qui veut dire, même Jean. Ennemi a abordé Christ sur la montagne, il était pendant plusieurs reprises, mais Christ a toujours été à même perception, à même attitude que le gagnant avant, tentation pas abouti à objectif que l'ennemi a été gagnant, pas péché. Maintenant, lorsqu'on dit que l'on arrive devant une tentation, moi, considéré, j'en posais l'âge là, chaque jour, on fait face à la tentation. Chaque jour, parce que il y a des choses qui vont fuir à vous-même, il y a des choses qui viennent à vous-même, il y a des tentations sexuelles, il y a des tentations matérielles qui viennent, mais en tant qu'être humain, d'abord, il est capable de paraître devant vous. Maintenant, en tant que chrétien, il y a des gens pour réagir en face. Et ceci si me parle général, tout quelque chose de la tentation, quelle des tentations pour bien, quelle des tentations pour sexuel a fait bah fille garçon ou non tentation ça c'est n'a pas le monde et le monde offrir des choses pour le capable engloutir les ça mais ou même au besoin gagner
calme et contrôle tête pour être ou même pour pas courir perdre tête là dedans yo. Donc comme question poser un peu large, pour bon un peu large. Yeah, I'm just putting one. Comment ta connaître s'il c'est de Satan le venir ou bien du monde ou bien de la chair. Comment m'a identifié là? Oh, source li. Comment bon courir dit tout ça connecté au une seule base, une seule source. Le monde, la chair, moi considéré comme des délégués, comme bras d'exécution. Non mais Satan, non mais diable. Tenez bien ça m'a dit. Hein? Parfois, c'est pas le diable qui tente, mais chair lui-même bon, lui mettons en difficulté. Propre convoitise. Propre même lui mettons en combat qu'on doit lutter contre chair. Et que si on succombe en face la chair, il m'y en prend avantage de ça. Donc, il y a des tentations qu'on fait face à lui-même. C'est pas pour nous le diable qui font bagarre sur vous, mais ou même en ou même comme homme, comme humain, ou exposé à la tentation. Maintenant, dépendamment de gens réagit pas en face de tentation ça, il m'y en prend avantage de ça. Est-ce que ça me dit à clair? Donc, ou tenter, sous succomber à la tentation, ça fait l'affaire de l'ennemi. Maintenant, l'ordre qui souce, la chair, puisque la chair li agit contre la volonté de Dieu, et la convoitise, et le monde agit contre la volonté de Dieu, sous bien garder, tout ça qui agit contre la volonté de Dieu, il vient faire l'affaire de l'ennemi. Non, on sent tout venir du diable quand même. M'pa vle dit tout venir du diable seulement parce que me connais gen des exemples clairs dans la Bible côté apôtre Paul parler, il dit que il réalise la loi du péché dit dans chair li, la résister contre il fait ça pas vle. M'pa vle parce que le plus souvent analyse théologique texte ça côté Paul parler là, c'est pas le diable qui travaille, c'est faiblesse être humain même qui faiblesse humaine. On pas veut dire c'est diable parce que exemple ça c'est pas le diable qui travaille dans Paul, c'est la chair qui c'est lui. Maintenant mais ça me dit tous les trois pour aboutir au même bagage violation de la volonté de Dieu qui peut avoir un meilleur avantage. Sont là c'est le diable et puis vous gagnez tout l'autre deux éléments. C'est très très bien. Il y a deux monde qui veulent participer, il y a Tinès et puis il y a pasteur et Mathias, pasteur Mathias. Suite après, Tinès pasteur passé avant. Tinès passé à l'aise. Pasteur Tinès pasteur. Alors, pas connait si c'est pas erreur lever main, c'est moi main enlevé. Pendant après les là moi me capable prendre. Allez-y pasteur. Mathias. Docteur Jules, bonsoir et merci pour la présentation. Bonsoir, Pasteur Mathias. Et c'est une question qui pose souvent et un peu le monde opiné sous lui. Mais comment moi-même je n'ai pas mis lui, alors je n'ai pas mis lui comme ça. Et la chair et le monde, c'est système qui mettait sous pied à partir du moment où ennemi est entré dans le jardin d'Éden et puis il causait défaite humaine qui était faite dans la perfection, qui était faite sans péché, qui était faite et dans la gloire de Dieu. À partir du moment où ennemi est entré, il mettait empreinte li sous nous tous infectés et infecté jusqu'à la moelle des os. Donc, moi, quoi c'est ça que fait, et dans 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malheur. Donc, ni ça la chair qui n'a nous-mêmes désir, qui vient dans nous-mêmes, ni ça système monde-là, mettez devant nous comme convoitise des yeux, tous ces produits, ça ennemi en lui-même, li implanté dans nous. Donc, que ce soit ces chairs-là qui ont fonctionné dans nous, l'orgueil, et la jalousie, etc.,
que ce soit système monde là quand qu'on convoitise des yeux sont ouais mon nan gagne envie gagne tout etc. Tout c'est produit ennemi donc ennemi gagne faute li là dedans ni parce que c'est lui qui t'a commencé qui fait nous venir dans ça pas bon Dieu qui t'a créé nous comme ça. Donc le nous décrions pour nous montrer côté il a fonctionné qui a agi sous nous mais cependant c'est un seul yo tout gain origine dans désobéissance ennemi donc comme on t'a dit on a intention pour retirer pour enlever la gloire de Dieu mais cependant tout Satan lui-même campé l'a regardé c'est quand on t'a dit on est qui allait puis planter yon grain de maïs. Et puis il campait loin, il a regardé Maïa, il dit mais c'est pas grand pour loin Maïa, mais c'est lui qui planté. Il a regardé évolution. Il a regardé évolution, mais c'est lui qui t'a planté. Donc nous comprendre que tout ensemble, c'est ça qui fait ennemi bon Dieu juger lui parce que c'est lui même qui cause tout ça arriver. Donc tous les trois et nous t'a dit n'a gagné pour nous continuer avec agir avec prudence, vivre avec prudence et puis pour nous appliquer la parole de Dieu pour nous éviter tous les trois. Et tout c'est quand comme d'ado youn pour toi trois pour youn. Nous gagne deux l'autre monde à la suite. Oui, m'la moi-même. Après ça me gagne docteur Franceneur tout, m'pa connais est-ce que docteur Gilles est-ce que vous voulez dire un bagaille ou bien on baille deux l'autre monde yo. Bon, alors m'd d'accord pour tout à fait avec ça Pasteur Mathias dit. M'd d'accord. Mais li aller dans origine l'homme nan côté li dit que il m'y ont semé un bagaille. Mais m'vle pas font une déviation non mais nous avons ajouté ton bagage plutôt nous-mêmes en tant qu'homme nous nés dans une nature humaine Jean la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15 nous semés méprisables le corps est semé méprisable les semés faibles donc nature humaine nous gagnons même les sujets à la faiblesse qui permettent à ce que convertissent des yeux, convertissent la chair capable de faire même, sans que le diable, en tant que. Pas inclus là-dedans. Pas travail. Maintenant, on comprend que le dit que bon Dieu t'a créé l'homme, non, et que Satan mettait le divin dans l'Éden, non. Ça le dit à l'âme, on comprend tout, parce que nature humaine, non, une fois qu'elle est infectée par le péché adamique, elle devient beaucoup plus accessible, il est capable de faire du travail. Mais il faut donc que, en tant que chrétien, ou alors chrétien, bon Dieu restaure l'image de Christ dans nous. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre la chair, nous sommes contre la convoitise. Maintenant, ça il fait partie de être nous. Il fait partie de être nous. Bon, ça, c'est. Ok, comme nous avons plusieurs, nous avons passé Dines, après ça, nous avons passé par le Dr. Franceneur. Ok. D'accord, merci, nous avons salué Dr. Jules pour un bel sujet ça. C'est un sujet que nous avons retourné là-dessus, parce que il y a une pile d'importance. Moi-même, ça que je voulais dire, je voulais venir à un côté pratique avec Dr. Jules. Et s'il est capable de reprendre, en fait, à motiver mon plus à ce point ça, selon, pour moi, dans 1 Jean 2, verset 15-16, là, parrain met le monde, ok, nous comprenons la définition de balle là. Tu as plus dit, est-ce que nous ne pouvons pas employer le mot conformer, le verbe conformer, à la place du verbe aimer, n'aimer point le monde. C'est-à-dire, tu avais dit que, est-ce que pas plus vous l'avez dit, pas conformer nous avec maintenant et pour ne pas pratiquer ça qu'il y a à faire parce que nous pas qu'à couper pont avec le monde et parce que faut nous avoir une certaine proximité avec le monde et pour nous capable évangéliser le monde mais si on arrive là quand nous pouvons dire nous raillir le monde ça veut dire qu'il y a plus de contact entre nous et maintenant, ça veut dire que qu'on y a là, il y a une sorte de fossé qui sépare nous, donc pas de moyen pour nous capables évangéliser et c'est un gros mandat bon Dieu qui était pour nous.
Ça, c'est une bagarre que je voulais souligner avec un docteur Jules, si capable de mettre plus accent sur lui. Ensuite, pour faire tentation hein, ou bien convoitise, là, d'accord avec question docteur en fait animateur nous le poser hein? Oui tentation vraiment la réponse est d'or tentation pas péché et lorsque et lorsque céder avec effectivement donc tentation divine péché mais les nous prend le monde en comme tout avec ça parce que nous vivons dans un système mondial cosmique n'a vie n'a évolué la dernière. Et tout ça que tout giron c'est giron le monde qui est lié la maison c'est des mondains qui fait yo et voiture yo l'école yo université yo avec nous dans monde dans chaque jour n'a confronté n'a marché dans monde là mais comment capable railler monde ça est-ce que le pata voulait dire de préférence que côté pour ne pas laisser chose monde là dominer non la convoitise n'était pas là chose mon ami qui a plus de valeur moi par exemple son écrit mes belle voiture est-ce qu'on voiture n'est-ce pas est-ce qu'elle pas laisse moi et est-ce qu'elle pas prend place même bon dieu dans vie moi place côté bon d'abord bon dieu est-ce que toute bagaille ça yo comment n'a deal avec les choses de ce monde ou bien est-ce que nous de railler le monde de façon catégorique OK eh bien on dit passer j'ai plein d'intervention yes yep ah on comprend pasteur Tinès mais m'a dit que et intervention là mélanger mondium de définir au commencement exposé là m'te dit bien gon monde qui est le monde cosmique c'est pas les mêmes bon Dieu m'a demandé pour raïa m'dit gain le monde qui dans Jean 3:16 là qui est l'ensemble des individus vivant sur cette terre et pas les mêmes bon Dieu m'a demandé pour raïa mon Dieu m'a demandé pour raïa c'est un système qui fonctionne contre la volonté de Dieu en d'autres termes c'est pas ni le monde cosmique c'est pas ni l'ensemble des individus mon Dieu m'a demandé pour raïa lui m'a demandé pour raïa ça dans le monde à savoir la convoitise des yeux la convoitise de la chair l'orgueil de la vie ça yo faut pas prendre mettre en place ni mon évangéliser moun n'a évangélisé yo c'est yo même bon Dieu remet dans Jean 3:16 là et si bon Dieu remet on pas raï yo d'accord et pas monde ça yo dit pour nous raï et que le monde cosmique nous pas raï le bon Dieu créé pour notre bien nous, au contraire c'est pour nous protéger la terre pour nous protéger les plantes pour nous faire c'est ça condition de vie sur cette terre maintenant monde lui dit pour nous raï c'est un système par exemple actuellement là gagne église on peut dire cabaloré avec image serpent gagne des églises que les acteurs les chanteurs des vaudouisants des homosexuels fait et puis avec des systèmes ça yo anti biblique il y a fait gagne des modèles qui viennent dans le monde modèles que la Bible interdit mais mon l'église adopté yo gen des systèmes sous ta parole avec des anciens vaudouisants et tout ça mais tel ça te bon servir longtemps c'est pour telle loi te bon dire mais qu'on a c'est dit qu'à la mode mais toute l'église tombe la donne donc bagaille monde a venir avec yo cap attirer moun attirer vers yo et que actuellement là moi pour moi même moi crois que l'église t'a supposé opposer avec parce que il a dit par aimer yo. Donc si on va rentrer encore dans la liste mais quand même moi crois que j'ont aller dans la même pratique là ça bon Dieu demande nous pour nous raïa c'est tout ça que monde dans vina avec qui contraire à la parole de Dieu que nous devons camper loin c'est pas ni mon yo ce ne sont pas les convertis ce n'est pas non plus le monde cosmique c'est pas eux même pour nous raïa ça n'a pas actuellement yo monde qui veut faire l'évangile droite faut qu'on très prudent parce que nos églises yo en train de le avec internet avec YouTube on a regardé tout le c'est le belle bag yo belle vrai yo bien des chanteurs qui viennent avec des chants etc. par exemple ou un bon chanteur américain qui est très connu
qui dit que l'agneau est pour couper devant le bouc. En pile jeune a chanté chant, mais on va comprendre ça veut dire. Donc le monde vient avec des systèmes tant qu'on sait des pasteurs moins dans télévision qu'on y a là des dieux qui viennent avec des marques si sous quoi yo y a expliqué on sait des bagages. Et en pile jeune remettant Dieu parce que yo attrayant, yo éloquent. Donc ça yo et les églises évangéliques besoin d'un système pour t'a dit jeune nous yo non même question de l'homosexualité Jean le monde a vu dans la là montrer que c'est pas rien et si mon l'école yo est pas rien si mon yo est professeur dans l'école là sont l'autre garçon Maril principal l'école là sont l'autre fille Parélic Marie qui Marili si mon n'en vient le pas rien non la cour l'école le monde a vu dans la là qu'il a côté moi même avec ou si la Bible dit pas bon on dit pas bon c'est ça qui le monde nous et bien pasteur Jules excusez-moi et que nous ouais monde a bat bravo pour yo si yo pas bon pour nous yo fait pour toujours était pas bon parce que la Bible dit pas bon. Yes. Donc okay. Jules donc avant bon juste mettez ça comme petit point docteur Jules donc okay. Une comprendre troisième monde ça qui dit hein et selon Jean que Paul décrit le tout et monde grec la décrit c'est le mot sax. Le mot sax là est signifie c'est puissance d'inclination spontanée du mal. C'est ça qui est lié. Donc, il passe, c'est la révolte contre Dieu égale le péché. Donc, moi, ça, c'est ça que nous besoin. C'est il pas aucun an et encore, c'est le, et c'est ça, et animateur a déposé aux questions, hein, qui côté le sorti, c'est le péché. Monde, ça, c'est le péché. Ok, c'est très bien. Et c'est ça pour le définir avec mot grec là, sax. Ok, c'est okay. Très bien éclairci, je crois, parce que j'ai bien répondu, yeah. Il va se demander pour, you know, bon, tout détail, je crois, il va tout détail, c'est très très bien, et je crois, Dr. Francis Steele, qui on va pour l'ajouter, c'est dans les chances là. Et m'a salué tout le monde, et m'a dit un grand bonsoir au Dr. Jules Fritzner, et pasteur professeur, et Jules Fritzner, et m'a salué pasteur Ernst Civil et pasteur Mathias qui étaient intervenus. Monsieur Desrosiers, tout le monde qui est sur la plateforme là avec nous, moi salue nous. Il était intéressant que Dr. Jules ait souligné que et le thème monde, il y a trois utilisations dans la Bible. Et il est important que nous ne pas douer et confondre l'une pour l'autre. Et le monde confond l'une pour l'autre, et il y a un monde qui a tendance pour dire que la Bible est contradictoire. Et comment d'une part Dieu a tant aimé le monde, d'autre part n'aimait pas le monde. Donc c'est en question de thème non, qui est utilisé dans un contexte précis, parce que nous savons que les mots n'ont pas de signification hors de leur contexte. Donc tout mot, sous-retire le contexte, il va lui dire rien. Ça c'est très bien, vraiment content. Et Dr. Jules a souligné ça, Dr. Civil souligné ça, et Pasteur Mathias. Et une question qui est vraiment intéressante qui t'est posée, c'est la question, est-ce que c'est pas ta Satan qui source et qui t'a source et péché à et mener la question convoitise des yeux et etc. Et vraiment content Jean, Dr. Jules et l'autre intervenu, mais il est très bon pour nous juste font-y passer sous lui encore pour les téléspectateurs capables Gambi, ça nous dit à bien. Si nous dit que et question convoitise là par exemple, c'est Satan qui responsable et non sens, c'est comme si n'a dit un bagage que la Bible pas dit. Parce que avant péché rentrer dans le monde, bon Dieu t'a créé l'homme avec le désir sexuel. Désir sexuel que mon gagne. C'est pas Satan qui baïoul. Donc avec péché rentré dans le monde, li vinn pas contrôler. Li vinn pas travailler selon Jean bon Dieu te travail pour te travail. C'est ça qui fait li vinn par l'autre bagage que perversion qu'on y a, la façon que utiliser li. Donc oui, on monde ka font péché sans c'est pas Satan qui fait le fait. Quoi ka fait le péché? Et convoitise des yeux, envie que le gagne pour le bon bagage qui a fait le péché. Docteur Jules te fait souligner très clairement que Satan
définitivement prendre l'avantage de péché moun nan. Mais même si c'est pas lui qui fait, l'a toujours prend avantage sur lui. Ça c'est ça très intéressant pour auditeur yo songer réponse que et docteur Jules et l'autre intervenant yo et fait passer. Et je pense que le sujet de ce soir c'est un sujet qui assez important et m'espérer que et maître Desrosiers et docteur Jules et docteur Tinès et d'autres capable d'opportunité pour ta font retourner sur les parce que il y a tellement de choses à dire sous sujet ça et je crois que nous pas capable fin épuiser nos présentations et il y a pile l'autre et paramètres que nous devons considérer donc question quoi li bon pour nous limiter yo à la présentation du docteur Jules et avant que docteur Jules lui-même va opportunité pour lui présenter d'autres choses toujours dans le même sujet à capable permettre que nous aller un peu plus loin. Docteur Jules, une autre fois encore, merci pour la présentation, ça a été un peu plus bien. Et docteur Tinès, une autre fois encore, l'offre frapper, nous répétons d'eau. Merci en pile pasteur Mathias et merci pour l'intervention là et nous quoi que et j'ai indien avancé. Merci. Merci pasteur civil et pasteur civil pour m'éclairer bien docteur Desrosiers. Définitivement, c'est pasteur civil. Oui, oui. On est bien identifié, c'est pasteur civil depuis Montréal. Ouais, c'est, ah, c'est ça. C'est ça. C'est très très bien ça. Et moi, l'autre monde qui demande, qui est-ce qui ose? Ose samedi, c'est différent de pasteur samedi. Docteur Ose. Docteur Ose, allez-y. Merci infiniment, nous saluer docteur Jules. Nous bien quand on voit docteur Jules, merci pour la présentation. Et nous disons bon Dieu merci pour. Ont abordé ce sujet-là. Mais il y a un petit posé, une ambiguïté là-dedans, c'est le moment. Ou bien dans Jean 3,16, ou bien dans 1 Jean 2,1. Et là, Jean 1 Jean 2,1, moi, signifie trois bagailles. C'est les humains, le monde qu'on a vu malin. Et le monde, c'est les bagailles qui vont écrire, les étoiles, les galaxies, etc. Avec le système de ce monde. Un système et Nadi, système monde a évolué aujourd'hui. Et docteur, il défend ce pari sur les oubliés. Côté que le monde a fonctionné sur le train de Satan, c'est de monde ça, les dibons d'Arméa. C'est par les humains, la palais, c'est par les étoiles, la palais, c'est par les galaxies, la palais du système monde là qui corrompu la palais. Nous devons nous clair sur lui. Et verbe aimé qui utilise, c'est agapao, agapé, là, aimé, ni dans Jean 3,16, ni dans deux genres. Verbe ça, qui traduit nous besoin d'aimer les humains, Dieu a tenté de le monde, après les bons dieux, l'aimer l'humanité, et il dit que pas aimer monde ça. Mais deux mots ça, c'est une qui a parlé de l'humanité, c'est une qui a parlé de le système de ce monde. Mais depuis nous confus, nous faisons confus, nous confusion à nous parlons sentir que moi va marcher bien. Ça veut dire que nous n'avons pas de confusion dans le sens que l'un c'est pour les humains, l'autre là c'est pour le système de ce monde qui a directement bagaille l'humanité à fait qui contraire la parole de Dieu, qui contraire le système mondial. Merci bien. Maestro de Odier, je crois que le Seigneur Dieu lui-même livre qu'il y a cette inimitié entre les enfants du royaume, de son royaume, et les enfants de l'autre royaume, le royaume de l'ennemi. Donc, nous tendez, et il y a un monde qui dit que nous avons besoin d'assimiler nous aux habitudes et en série de comportements le monde a bien pour nous caprécher au bien. Ça, c'est de la foutaise, ça, loin de la vérité, parce que la parole du Seigneur relève nous, et docteur Jules fait un bel relais sur ça, côté que le mandat nous pour nous fonctionner de façon qui est totalement opposée de système satanique, ça qui est gouverné par le diable, et lui mandat que lui dit que nous sommes lumière, et c'est le monde. Aucun cas, la Bible n'a pas jamais demandé nous pour nous mettre un tatou sur nous, pour nous capables de sembler à nous dire un tatou pour nous brécher. L'Ipajan dit comme ça que nous obligeons l'Église qui a dirigé pour un soi-disant pasteur homosexuel juste pour nous capables d'influencer. Il n'a pas dit ça. Il demande qu'elle même pas les deux, il y a une mauvaise compagnie capable de corrompre les bonnes mœurs. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui est important. Et nous trouvons
et c'est un sujet assez difficile et faut moun gen en pile audace dans le vrai sens du terme pour aborder sujet ça nan tant que n'a vive là la. Parce que normalement genre de sujet ça yo l'ou aborder ou pas faire recette si vous voulez faire recette ou pas aborder sujet ça yo définitivement parce que maestro ça m'a vive là la fait moi regret comme dépasser une batte sur plateforme nan. Au moins faut m'attendre monsieur tout le temps franchement et docteur Tinès, docteur Samedi, docteur Osé, Pasteur Mathias, Civil, etc. Franchement moi grand bout de temps faire malheureusement pas capable là mais ça fait plaisir en pile, ça fait plaisir en pile au senti intervention yo grand pile sens et moi crois que jusqu'ici là dans débat nous dans même page là, nous dans même page là. Mes dernières paroles, docteur Francis a dit là, certainement, il faut qu'on ait gagné l'audace de la foi, il faut qu'on ait le courage pour parler de ça qu'on y a là, parce que il y a trois courants, on me dit ça là qu'on y a. Un aspect business, l'église de la vie, prioriser son aspect spirituel, li, côté que démarche pour faire pour gagner un méga church. C'est pour faire l'open et puis ou parler de tout bagaille ou pas parler de la sanctification pas parler de affaire le monde la chair pas parler de bagaille ça yo deuxièmement gon un aspect économique qui vient entrer d'emblée côté que et ou vient plus à prêcher dans le sens pour capable déboucher son entrée économique au lieu que pour ta faire mon propre conscience d'étaler. Et troisièmement, gon sorte d'insouciance qu'on y a qui développé dans le ministère. Depuis mon nan gon gros kay, li gen gros machine, li gen kòb, bon kimi yo di sa le prêcha pa. C'est comme s'il pa kèr de qualité spirituelle de sa le faire. M'pensais m'ta pral on ti jan très mal vu là soir avec sujet nan. Et pendant que docteur Francinier dit m'pa faire recette, moi m'pré ça soir parce que m'gen des bon moun là franchement. Il y a des interventions là qui fait mon petit genre sentir confortable mais effectivement qu'on y a là dans monde ça parler de compte bagaille ça yo ou déjà qu'on est la foule pas près le même côté avec parce que on dirait qu'on t'a voulu réduire l'image de manœuvre yo et comme tout t'a voulu mettre non et tout mais tandis que c'est ça même l'évangile c'est écarté au de ça et tout ça ouais qui fait venir ouais le monde envahit dans tout club dans tout disco tout style poser cette question est-ce que ça a pas un bagage pour ouais avec foi chrétienne et grand pile monde qui la connait d'après une recherche on commence à faire yo vini directement du monde mystique. Yeah. Que ce soit ta tout ça origine ta trois ou pour le monde mystique. Origine de Dieu de Locke là, il y a origine mystique, origine tresse qu'on y a qui envahit le monde. Il y a tout ça, je ne peux pas dire qu'on y a parce que recherche n'a pas fini pour nous présenter pour qui ça c'est yo qu'à la bonne qu'on y a, alors que c'est bon temps nous d'avoir combattu. Ça enlève. Alors, Mathias, je dis un dernier mot, c'est pasteur Frantzner a dit quelque chose et puis il me dit il faut que me corrélie. Yes. C'est Romains chapitre 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Mm-hmm. Conformité au siècle, c'est ça. C'est inimitié à bon Dieu. Donc, exactement. Nous besoin, je pense que, alors, dans le sens, le pasteur Franzner dit « Ou pas faire requête là, disons, ou pas faire bénéfice monétaire. » Parce que si ou de parler comme ça dans l'église ordinairement je dis à mon pape vini mon pape baïkop qui te me dit je m'en fous de l'argent je m'en fous de quantité moun même qui kavin kapé devant pourvu que me dit ou ça me sac la bible dit boum dola me penser c'est ça nous devons faire et monsieur compliment merci beaucoup que bon Dieu bénisse nous que nous capable continuer prêcher l'évangile et m'a pas ajouté un dernier bagage m'a dit que Pasteur Jules, docteur Jules, je m'excuse, et docteur Français et tout l'autre monde. Église à docteur Jules, c'est des églises avec des enjoliveurs.
Et comme ça, moi, l'église avec des anges livres. Nous-mêmes, anges livres, par nous, c'est la parole de Dieu. Alors, courage, pasteur. Nous ne pouvons pas faire recette des gens comme vous, là. Moi-même, là, dans tout, nous ne pouvons pas faire recette, je ne devrais pas vrai, mais le Saint-Esprit a fait recette là. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin d'anges livres maintenant, mais nous avons besoin d'anges livres, parole, mon Dieu. Yes. Amen. Amen. Et nous tout un exemple là où jusqu'à en visiter YouTube gardez-li ou une belle étude comme ça nous publier là ou après on prend peut-être 100 monde on prend la donne mais si c'est ton bagaille tout tourner un bagaille vague un bagaille décolleté au moment dans là des milliers même des millions tout monde célèbre ou bien sous besoin en pile monde intéressé c'est pas venir avec bon bagaille et nous toujours dit moi ce mon on regarde cap garder clip là c'est parce qu'il bon ça quoi en plus monde pas intéressé là-dedans so, ça te fait me content pour me dire ah mon cher il était bon réellement parce que on série des études nous fait retendre vraiment intéressant yeah. On voit des chrétiens arriver sur l'église qui plus là regarder notre bagage des chrétiens vous comprenez so, yeah. Ça veut dire que ça a pas doué étonner nous c'est exactement ça n'a dit c'est exactement ça et à partir des gens nous parler là moi ouais tout combat ça n'a pas parlé contre le monde là c'est pour un combat seulement individuel c'est pas moi même avec le monde mais nous faisons moi là église de Christ là même en face le monde et comme ça moi là moi l'église de Christ d'autant plus Bible a tout dit et vous êtes le sel de la terre nous c'est sel de la terre qu'on y a là qui t'aime tout poser question ça là puisque nous c'est sel de la terre à comment présence chrétien dans société ça ou bien dans monde ça capable diminuer effet négatif ça on prend qui dans le monde là comment présence nous capable affecter au kounya là pour pas qu'a dire changer parce que bah yo c'est la prophétie faut au fait mais nous-mêmes comment l'évangile ou bien présence chrétien yo capable diminuer paquet bagaille effet négatif ça comment capable faire bon c'est en fait c'est son parti dans Samson Jameson dit en gros ou préciser on pense que un élément capable aider le monde vient tellement agressif et arrogant pendant qu'il y a bien ça pas bon il hein, faut sentir ou même qui dans ça bon ou pas à la mode ou pas up to date ou son old school etc et que ça l'a fait, c'est pour le café impact sur mental, non? Mm-hmm. Et le jour que nous quittons, nous convaincus par ça, il vient négatif pour nous. Nous autres, bon bagay, nous commençons à faire là, c'est dit, j'aime nous, pour yon fier de gens yon yé, gens l'église, demandez pour yon, la parole de Dieu, demandez pour yon. Et que envie pour exposer quoi yon, pour yon, capable d'être up to date, envie pour yon participer dans les activités du monde, les plaisirs mondains, ça yon descend, je n'en ai pas Dieu, bon Dieu. Je pense que la meilleure façon pour nous aider, même l'église, yon, combattre le monde, qui est là dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chaleur et de la vie, apprendre ni fier de ce qu'il en Christ. Fier, même s'il rase, et pas parce que nous faisons apologie de la pauvreté, bien que nous autres qui travaillons, qui peut-être mon Dieu bénit nous, pendant que nous avons joué de bénédiction, mon Dieu bénit nous, mais mon Dieu que nous étions fidèles à la parole. Pour ne pas penser c'est parce que nous n'avons pas eu qui fait n'a pas les consacres, parce que nous n'avons pas éduqué, par la grâce de Dieu. Mon Dieu fait l'église cadeau des hommes. Regardez, m'attendez des frères là, nous sentons bien des hommes éduqués, des hommes qui formés et li bon pour nous faire le monde connait nous là nous aussi éduqués que yo nous possède des mêmes gens avec eux mais nous pas d'accord marcher même gens avec eux et que moun kap suivre nous yo pour yo gon certaine fierté pour yo capable comprendre que c'est pas Jean moun nan yé à qui ça yo sa bon Dieu vle et que si nous ka aider moun tout aider yo pour yo pas chercher bénédiction ou bien avantage dans l'autre monde ça yo qui pas influencer la vie yo. Donc me senti sorti à serviteur tout pasteur capitaine de là yo tout prédicateur tout serviteur de Dieu yo
enseigner mon yo la fierté chrétienne. On pas mettre sorbeté à sous moi même fier de Jean-Mier. Quand on aller à me pas prendre là même fier lorsque me suis servant de bon Dieu. Parce que ça yo yo capable faire effet sur la vie yo pour pas aller côté ou pas lui aller. En fin de compte, c'est que montrer que tout ça bon Dieu dit pas bon, li pas bon. Même si même Jean pasteur Matasson dit nous m'en fous. Que mon à Gonchon qui dit qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, que demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, sinon que compter sur lui. Me senti parole ça a bien tombé, que yon d'accord, que yon bat bravo pour, que yon kou bat chalbari de yon tout, m'on était fier à la manière des apôtres, à la manière des disciples, à la manière des hommes de Dieu dans l'histoire qui bat vie pour l'existence de l'église, ça n'a pas les jours d'hier. C'est comme ça moi-même avec. Il a critiqué nous, il a gagné ennemi, il a voulu détruire nous, il a dit nous pas à la mort, mais n'a pas reconnaître la parole de Dieu vit dans nous et tôt ou tard bon Dieu a fait manifester ça n'a dit à ses vérités. Car la défaite de la vérité n'est que provisoire. Très bien, très bien. Et nous revenons en face pour notre faire conclusion là parce qu'il faut nous aller et d'un coup passe France net dit et c'est bon sujet à nous qu'a fini à ce là ça dit que faut que ça va continuer bon parce que ça dit que moi me dire que là oui pour continuer sous tout ça et on va faire de avant parce que Gilles fait conclusion moi me t'en ouais parce que Franceneur ça vous mettre fait mise au point très écoute et puis et parce que Gilles capable faire conclusion oui ou bon et pasteur Gilles Pataka et d'accord plus à docteur Gilles et dans façon que lui répondre question là et maître de Rosier même lui paraît que mal là a prend terrain mais nous devons toujours songer que la présence de l'évangile rend le mal inconfortable. Raison fort ouais monsieur a goumé que oui yo gen droit sans que monsieur homosexuel yo madame lesbienne yo et c'est parce que gon bagay qui rend yo inconfortable. Bon, si yo te confortable yo pas ta besoin battre ko yo yo t'a pas connait que de fait tu accepté yo mais c'est parce que l'évangile rend yo inconfortable qu'on yo obligé après le réfort que oui yo gen droit oui yo tel bagay mais c'est que et c'est pour nous songer que en tant que sel c'est pas que m'bral dit Jean lié c'est pas que Jean n'a pas pourri non mais celle la préserver si pour y a ta privé l'en 10 jours la prend 10 ans pendant 10 ans ça va bien t'en sauver des générations ou bien t'en sauver en pile monde alors que si Jean n'a pas pourri l'en 10 jours ou t'es qu'à grand pile monde qui perdit mais le fait que la joue rôle celle loin et bien de 10 jours à 10 ans eh bien, en pile, mon abgé t'en sauvé pour rentrer dans l'homme Christ là. Et en pile, l'homme moun sa retour pour aller venir renforcer les rangs pour permettre que nous continuons à faire travail là. Alors que l'aide disant ça, t'as pas privé, puisque nous sommes beaucoup plus imposant, nous sommes capables toujours faire travail celle-là pour pousser le bon 50 ans, pousser le bon 100 ans, si le Seigneur Jésus-Christ tarde pour le venir. Je crois que travail celle-là, même si apparemment, il paraît que le mal gagne, c'est pas vrai. Le mal ne peut en aucun cas gagner. Parce que amen, nous autres, nous, c'est pasteur civil qui t'a dit ça dans une intervention, nous pas bataille pour nous gagner la victoire, mais nous combattons à partir de la victoire. Donc, puisque nous gagnons la victoire déjà, eh bien, nous continuons la bataille. Son match Brésil-Argentine, match là joué déjà, où qu'on est le fini, 10 à 0. Donc, yo met fashion yo met ba 50 fois l'a toujours fini dis ça yo joué déjà il veut dire parce que moi attention hein que moun ki t'a vle parler toujours parce que Gilles dans quelques secondes ba nous conclusion et puis et quand pour maintenant là on tourner sur ça encore merci mes frères encore une fois comme en guise de conclusion m'a dit que vers le monde les chitanes attachés fortement à la parole de Dieu avec Samnarelle une fierté chrétienne vers le monde c'est une obligation pour nous nous pas capable à l'ciel pendant que nous vaincus devant le monde tout le monde qui lavé par le sang
tout le monde qui croit dans bon Dieu, que cet esprit de Dieu bon courage pour camper, que ce soit en public ou en privé, pour exprimer foi, pour témoigner de la toute puissance de Dieu. Et quel que soit ça, le monde vient avec elle. Société à mettre bat bravo, yo mette le sous toutes les réseaux sociaux, mais ou même si la parole de Dieu dit pas bon, dit pas bon. Ou pas faire recette qu'on dit docteur France Nerdi, mais ça me connaît, récompense ton et pas emballé, ça ou. Que bon Dieu bénisse nous, m'de fier à soya là, gagne tout pasteur sa yo avec nous là, tout docteur yo, que bon Dieu bénisse nous, et vraiment, me sentis vraiment bien, et bon, merci au maestro de Osier pour faire me rejoindre des serviteurs de Dieu que me longtemps pas converser comme ça avec eux et puis même joindre avec même fougue là, même frappe là, même ardeur là que mon Dieu capable kembe nous. Et ceci à bientôt. Merci beaucoup docteur Gilles. Docteur Gilles c'est passé dans l'église First Born Again Miami Baptist. Alors c'est là que tu rencontres pasteur Gilles tout non, association fellowship Baptiste, you know, mm-hmm. Pasteur Miami, qui était baptiste, au grand fellowship. Nous connaissons ça parce que Gilles toujours coordonnateur ou bien vice-président. Donc, so, merci et n'a pas dit tout le monde, passez bonne nuit et puis nous connaissons le principe là. Chaque samedi, côté Gwen Lengla, compagnie Gwen Lengla, pas oublier, rendez-vous assez ici pour yon l'autre présentateur et puis. Même discussion, hein, j'en ai collaboré à là. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.